Et coucou YouTube, on se retrouve sur Bayonetta aujourd'hui dans le jeudi découverte du 22 février, sachez-le. Nous sommes avec Ziel qui ici bas dans le chat. C'est le premier jeudi découverte qu'on fait avec ce layout. Je me tourne dans la mauvaise direction, ce layout. Abonne-toi! Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne VOD si ce n'est pas encore fait. Et vous avez aussi ma chaîne Fourtout dans la description de la vidéo où je poste des best-of notamment. Mais il y a aussi pas mal d'autres projets qui sont censés arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà. Sachant que là, je suis en train de bosser... je suis en train de speedrun le best-of janvier. Nous avons 60 extraits en janvier, sachez-le, pour le best-of. Je me suis dit, si j'en fais 15 par jour, sur Instagram, je finis ça dimanche. Sur YouTube, ça peut sortir début de semaine prochaine. Propre. Bref, pour ce qui est de Bayonetta, du coup, on arrive au chapitre 9, ce qui fait qu'il ne reste plus que 7 chapitres plus l'épilogue à faire, si je compte bien. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 chapitres, c'est bien ce que je disais, et plus l'épilogue. Tu vois, tu t'améliores en speedrun, ouais, c'est ça. Donc c'est parti. On espère pas se retrouver avec un truc trop chiant. Parce que le galérage la dernière fois là sur au cimetière du souvenir. Le galérage du coup je disais sur le double combat double ennemi là, la dernière fois là, c'était atroce. Car je veille sur toi. Mais c'est bientôt la fin, il me semble. J'ai compté environ 3-4 lives. Ce cadran, je l'ai déjà vu quelque part. Il ressemble beaucoup au cadran du début du jeu, en vrai. Enfin, du prologue, quoi. Après, c'est vrai qu'au départ, je pensais être bien plus proche du début que ça. De la fin que ça, mais en fait j'avais compté 13 chapitres et non 16. Essence d'esprit de la même nature que celle des anges. Essence d'esprit semble être circulée naturellement pour former cette chose. C'est une plateforme ou quoi? Oui. Putain, on pouvait vérifier encore. Ah non, d'accord, ok, c'est la même chose. Le son grésille du jeu, c'est pas normal ça en vrai. Pourtant, j'ai bien lancé difficile à Tensistique. On va baisser le son du jeu, mais là, je vois pas encore trop quoi faire. Effectivement, j'entends. Pou 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 pou. Je tente. Ok, ouais, non, c'est naze. Ça c'est con parce que moi je l'ai bien le son là. Pourtant, le son, je l'ai au niveau de l'ordi. J'ai pas d'explication. Ça se trouve, c'est mon micro. Parce que moi, le son du jeu, je l'ai bien, en fait. Si jamais je fais... Je me mute 2 secondes et on voit si jamais il y a encore le grésillement. Non mais j'ai vu justement, j'ai bien entendu le... J'ai bien entendu le son sur le live, Zielki. Je me mute 2 secondes et on voit.
Ok, ouais, non, c'est bien le son du jeu. Mais c'est donner un coup sur la console, évidemment. C'est la meilleure chose à faire. Oh, pardon pour le... Viens, fais-moi confiance. Oui. Sait-on jamais? Bien ça. Bravo Kalten. Mais allez, détecte. J'ai débranché, rebranché. J'ai bien rebranché. Bah, de toute façon, le laveur média est allumé, donc forcément, c'est bien rebranché. Aïe aïe aïe. Ça y est, ça détecte plus rien. Comment? What the fuck? Attendez. C'est bon. Ça grésille toujours. J'ai pas d'explication. What the fuck? J'ai l'impression que c'est mieux, non? J'ai l'impression que ça grésille plus. Est-ce que Zielki, tu confirmes ou... C'est bon, ok, bah impeccable alors. Mais ouais, du coup, je sais pas. En fait, j'ai changé la façon de capturer le son et je l'ai remise comme avant. Et ça a marché. Je me remette un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ok, faut se remettre dans le bain, hein. Il a pas de barre de vie, lui. Ah. Aïe. Je voulais ramasser ça. Voilà. Est-ce que on est bon? Le son des combos. Oh, ça me fait penser un petit peu à un lieu du début, ça. Mais on est d'accord qu'au niveau du son, ça couvre pas ma voix, hein. Même pendant les combats.
Oui, je m'inquiète. Ok, bon, le combat était pas ouf. Enfin, j'ai pas été ouf pendant le combat, nuance. On peut explorer par là. Et y a rien. Légèrement fort, mais ça va. Bah écoute. Tu peux dire tout le long de ton let's play. Oh. Ça se dit pas, ça. C'est un peu vrai. Mais ça se dit pas. Ah. Est-ce qu'on peut aller par là? Moi, on m'a dit oui, c'est un jeu où faut explorer, faut fouiner, faut chiner, etc. Mais bon, là, ça a pas voulu que j'aille explorer le petit chemin. Mhm. Alors oui, par contre, c'était ça aussi le truc. J'ai pas eu mon bonus que j'aime bien. Ok. Très bien. Genre... Les mecs, ils font des chemins. Ils sont juste inaccessibles, quoi. Oh là. Là, j'étais juste là, de l'autre côté. Pourquoi il n'y a pas une... Oh. Allez à Alfheim. Ok. C'était pourquoi ça déjà? Ah, c'était pas le truc. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit par là. Il semble que c'était le truc en fait pour. Le genre de défi de faut tuer tant d'ennemis machin. Attends, là de l'autre côté la porte a l'air à peu près la même que celle qu'il y avait de l'autre côté. Je vous avoue que j'ai pas trop. Ok. J'ai pas trop fait gaffe à quel chemin c'est ouvert. Ah, le Messi. Par contre, du coup, ouais, ça m'arrange pas. J'ai pas fait gaffe à quel chemin c'était ouvert. Ah mais, ah mais je suis con. Ça, on doit pouvoir marcher dessus. Bah ouais. Logique. Et coucou Idole! J'espère que t'as passé une bonne journée. Oh oh. Attention. J'ai jamais eu le temps de faire à fond, wesh. Hop là.
Oh. Ah. Je me disais, c'est bizarre. Où est-ce qu'il est, le dernier ennemi? Parce qu'il y a encore une barre de vie. Tu bourres. Oh, on va dire que j'ai passé un bon 18h-20h. Ah. Eh ben écoute, en ce qui me concerne, ça va. Je veux, merci. Je vois un peu ce que je fais aussi quand même, le jeu. Et bonne soirée tout le monde, reposez-vous bien. Bah surtout toi, repose-toi, merci d'être passé. Et écoute, remets-toi bien. Tout ça, tout ça. Je sens venir le truc. Qu'est-ce que c'est? Eh, hey, c'est Crash Bandicoot! Ah d'accord. Ah d'accord. Je sais pas si c'est une bonne chose que la boule passe devant moi. Bien essayé. Ouais, alors attends. Voilà. De toute façon, voilà, c'est bon, ils sont morts les autres. C'était sympa. C'est un bâton orné qui dépasse du mécanisme, on dirait qu'il manque un rouage. Effectivement, ici. Là, ça, il doit sûrement y avoir un lien avec ça. La bande d'essence d'esprit a été coupée. Diantre. Donc ça, ce mécanisme, je suppose qu'il doit faire pivoter la plateforme pour que ça atteigne le truc qui est là-bas. Le problème, c'est ça. Ah non, ça marche comme ça. Généralement, il faut faire une esquive pour ça. Non. Voilà. Limite, ça pourrait être dit digne d'un mécanisme de Zelda, en vrai. Hein. Franchement, Bayonetta en Zelda-like, ça pourrait casser les gueules. De ouf. Une clé. Ah. Voilà. Ah d'accord, je vois. Wow. Je vois le principe. La clé est divisée. Oui, bah... Ah non, d'accord, elle me suit. La clé divisée en 5, les 5 parties se retrouvent dans un coffre. Pardon, dans une tombe. Wow!
Hop là. Ouais, là c'était mort. Hein? Attends, quoi? On sait. Je pensais que c'était mort, moi. C'est bon. Ah, ça fait du bien. Oh merde. Pas vraiment ce que j'espérais. Voilà, là, c'est là où il va falloir faire rentrer la clé. Ah si, j'ai une nouvelle partie. Ok. Ça ressemble beaucoup à une zone qu'on a déjà visitée, hein, on va pas se mentir. Je suppose qu'on va voir le monstre de flamme à un moment. Bah tiens. Ha! Chez! Ah merde! Je me suis fait. Oh! Ah, merde. La cloche. Hey, Blusper. Comment ça va? Ah non, faut tout refaire. Oh non! Oh, ils sont salauds! Oh bah attends, il y en a une ici aussi que j'avais pas prise. Oh putain! Ah, d'accord. Yes! Oh genre! Parfait! Wow! Bah, c'était pas là normalement? Ah si, c'est là. Bon, par contre, j'aimerais qu'il me laisse tranquille un peu. Ah d'accord. En fait, les coffres dans lesquels il y a des monstres semblent être aléatoires.
Ok, donc là on a 4 morceaux. Il en reste plus qu'un. Vas-y, viens là. Viens là, ma gueule. Genre... Ah. Yes. Hop là. Je sais plus ce qu'il faut faire. So cool, Captain. Thank you, Blue Spur. Ah. Oh. Ah. Ça a pas été sans mal. Mais... C'est bon. Va falloir que j'aille faire pipi. C'est pas bon? Bah la clé, j'ai pas récupéré. Ah putain. La clé elle me suivait depuis tout à l'heure, je pensais que c'était bon moi. Bah les morceaux de clé. Très bien. J'aime bien les environnements de ce chapitre en vrai. Attends. Attends. Quand Bayonetta se transforme en un jeu de plateforme, quoi. Ah, une récompense. C'est si gentil. Cœur de sorcière brisé. J'ai toujours pas de nouveau cœur. Bon, tant pis. Après ce combat, ce sera la pause. J'annonce. What the fuck? Second Sphere, ok. Kinship. Whoa! Une minute! Putain, il y en a deux en plus. Je sais pas comment gérer ça. Non. Vous savez quoi? La pause c'est maintenant. Je vous dis à tout de suite.
heureux, les enfants. Alors, cette histoire de Impish, je sais pas quoi là. Codondesque. Il y a des chances que je retourne en pause assez vite après parce que va falloir que je reprenne des boissons. J'ai pas pris le temps de me refaire un peu de café ou de remplir mes bouteilles d'eau. Kinship. C'est pas très bien ce que je fais, hein. Ah! En fait, je pensais pas que le jeu allait nous permettre d'aller directement au contact comme ça. Vous savez, généralement dans ce genre de jeu il y a un mur invisible ici. Ah merde. Ah wow. Et c'est sûr que là, c'est plus facile, hein. On va pas se mentir. Et on n'aime même pas à fuir vite. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a même pas à fuir vite. Le truc est directement... Enfin, le bateau reste là. Bien, ouais. Bon, ça passe. Le Messie. Ok. Par contre. Ah, il n'y a plus de vie, hein. Perle lunaire brisée, ok. Un peu de vie, peut-être. Ce serait pas mal. Bouf. Wouh. Attends, quoi? Bon, c'est pas grave. Maintenant, on a notre vie régène. On reprend tout. Ah, j'ai pas les mêmes bonus. En fait, j'hésite là à essayer de toucher les espèces de boules. Ah, toi! J'imagine qu'il doit y avoir un espèce de succès ou quoi si jamais on arrive à défoncer toutes les tentacules. Ah ah.
Je sais plus ce qu'il faut faire avec elle. Je crois que je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Oh. Y. Bon, je pense pas que... Oh, dur. Wow. On va se calmer. J'aime bien le coup de pied horizontal en vrai. Yes. Par contre, je veux bien voir la suivante. Hop, je prends. C'est Y qu'on a dit, hein. Que je sois pas pris au dépourvu. Je sais pas comment font les gens pour remplir entièrement les jauges, quoi. Ils ont des manettes turbo, c'est pas possible. Y'a pas eu de... Ça me laisse perplexe. Ah si, c'est bon. Ah, j'étais là, c'est bizarre, y'a pas eu de d'écran de fin du truc. Ah, ça me tente plutôt bien. Si, ça me tente plutôt bien, je te dis. Bon, j'ai pas encore le Messi là. J'ai pas encore complété le disque. Bon, je sais pas encore trop quoi prendre le Durga. De toute façon, je peux pas le prendre et je suis pas sûr que ce soit très. Fou. Une lumière de. Je sais plus ce que je voulais. Pourquoi je voulais. Je voulais économiser pour quoi déjà? Des objets? Non. Non, il y avait des accessoires qui me tentaient bien, je crois, mais... Mais ouais. De toute façon, j'ai assez de sous pour aucun. Donc tant pis. Je sais pas combien il y a de verse dans ce chapitre. Ça fait combien que j'en fais? 5? Oula. On va se calmer un petit peu par contre. Hein. Mais là c'est... Wow. Oups. Mais là c'est pareil, c'est l'endroit où on a affronté le premier boss, hein. Oh! C'est marrant, on dirait que je me suis moi-même infligé cet ennemi. Mais ouais, on dirait vraiment la zone avec le premier boss là. Qui se tenait au centre. C'est dégueulasse aussi d'ailleurs. On dirait vraiment le début du jeu. Il y a sûrement une explication que j'ai loupée. Parce que là, on fait le chemin à... Dans l'autre sens, en fait. Le Messi. Ah. Ah, c'est... Ok. Bah écoutez, on va pouvoir aller, je pense... Ah merde! Oh, attendez. C'est bon. Eh, on va pouvoir voir ce que c'est, du coup, cette histoire de Messi.
Encore un disque? Pff, tu veux vraiment me faire trimer, mais ne t'en fais pas pour moi. Je m'ennuie avant que tu arrives. Je vais te modeler des petits trucs, tu m'en diras des nouvelles. Celui-là, c'en est un bon. Tu ne verras pas beaucoup des comme lui, c'est moi qui te le dis. Elle t'école Kilgore. C'est une nouvelle arme, du coup. J'ai pas assez. Maître mot, j'ai pas assez pour acheter. Il y a tellement de choses à acheter dans ce jeu, en vrai. Je sais pas trop quoi faire. Ah mais si, je suis con. Prendre le vrai chemin, du coup, peut-être. C'est une bonne idée. Ce sera une bonne... Putain. C'est quoi ce... Ah putain, il y a des trous dans le chemin, en fait. T'as le dernier coup qui te prend en traître, quoi. Non. Oh putain, le monstre de vent encore que j'aime pas. Oh. Ça sent venir peut-être une fin de chapitre. En tout cas, là, il y a un truc qui se passe. Il y a beaucoup d'endroits qui se ressemblent. Hein. Là, je me souviens d'un endroit où on avait affronté deux chiens. Ah ! Créature occulte. Golem, ok. C'est la première fois qu'on rencontre un truc comme ça. Ça me fait penser un peu aux créatures qu'on dirige dans Bayonetta 3, non? Aïe. Oui, bon.
Ah yes! J'aime bien ce combat. Oh! Aïe. What? C'était ridicule. Oh, c'était cool, c'était cool. Non, le combat était plutôt sympa. Toujours pas assez pour avoir un corps entier? Non mais... En vrai ça fait 50 minutes dans ce... Ah! Dans ce chapitre j'allais dire il était temps. Ah. Mais David, on va bientôt arriver face à un grand boss. Je donne mon avis comme ça. Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai plein de... Il me faut 40... Oh, j'arriverai pas à 40 du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai droit à rien avec 28 points, moi. Bon, bah... Pas trop le choix. Hein. Un peu déçu, hein. On va sauvegarder déjà. Paradis, une mer étoilée. J'ai l'impression qu'on a un grand boss tous les 3 chapitres à peu près. Ça voudrait dire que... Enfin, à peu près, ouais. 3 ou 4 chapitres. Ça voudrait dire que soit ce chapitre-là, soit le suivant, on a un grand boss. On n'a pas eu trop de cinématiques aussi dans le truc précédent. Dans le chapitre 9. On va essayer vraiment de réussir à faire 3 chapitres ce soir. Elles sont stylées ces lunettes quand même.
Tu peux choisir l'adversaire de ton choix. Grid, j'ai déjà été là-bas. Alors pas elle par contre, hein. Jeanne? Cereza? Petite? Est-ce que ce serait le grand boss dont je parlais à l'instant? Peut-être pas. Des tentacules? Mais pourquoi il fallait qu'il y ait ces tentacules? Ça semble somme toute assez logique, hein, finalement, dans un Bayonetta, qu'il y ait des tentacules. Oh! Bon, du coup, effectivement, c'est pas un grand boss pour ce chapitre. Parce que les chapitres à grand boss, typiquement, il n'y a que ça. Hein. Mais. Ah! C'est marrant parce que. Avec ces ennemis-là, j'ai l'impression qu'on a très peu. Deux fois où les... En fait, quand on cible quelqu'un, les autres ont pas trop tendance à interférer, j'ai l'impression. Hein. Enfin, disons que moins souvent que les autres types d'ennemis. Je fais de la merde. Vraiment, je fais de la merde. Clairement. Ok, on en a une de moins. Je les trouve plus chiantes que avant, par contre. Je sais pas si c'est un level up d'ennemis qu'il y a vraiment, ou c'est juste que, ou si c'est juste que c'est sur ce combat que j'ai le plus de mal, mais... Eh ben, il était temps. Médaille de bronze, bah oui, forcément. Hein, c'est... Je me suis fait bolos. Bon, allez. Cette sensation de vraiment de juste de revivre des anciens moments du jeu. J'aime beaucoup ce combo, sachez-le. Ah! Ok. Hop là!
Ok. Oh là. Faut même pas gagner de la vie, eux. Ah, toi! Oh non! Ils sont là tous les deux! Ok. Oh merde. Eh mince. J'espère que je vais pas tout avoir à refaire. Et je sens que si. Après voilà, je m'étais fait bien boulos par les premières sorts. Hein? Ah non, c'est bon. Oula. Oula. Ouais, quand on démarre pas avec un malus, tout de suite c'est plus facile. Je sais pas comment il faut que je mette le truc. Ça a l'air d'être comme ça. Je pense pas qu'il soit possible de le mettre autrement de toute façon. Hein? L'autre côté est assez loin, je me demande si je pourrais l'atteindre en restant sous forme humaine. Ah bah écoute. Y'a qu'à demander! Il me semblait que les mentales, là, elles étaient pas très résistantes. Oui, je les appelle les mantas, ça... Elles me font beaucoup penser aux mantas dans Code Lyoko en vrai. Je vais dans le sens qu'il faut pas. Lui.
Il y avait longtemps. Dis donc. Il est pas très très résistant en vrai. Je me demande ce qui se passe si jamais on va pas au centre du truc. Oh la putain. What the fuck? Non mais on va se calmer. Suggestion hein, on se calme. Merde. Donc ouais, c'est juste... Genre... Je pensais... Bonsoir, coucou Ayupa. Comment s'est passée ta journée? En attendant demain. Du coup, t'es bien arrivé. Très bonne journée, toi. Eh ben écoute, ça a été. Oh putain. Éprouvante, mais écoute, ça va. On y arrive. Aïe aïe aïe. Oh non. Ouf! Et puis hier vers 13h30, pas mal de trucs à te raconter, c'est cool. Ok, nice. Oh, de toute façon, on va avoir plenty of time pour parler de tous les deux. Quoi? L'île flottante a reçu un grand choc qui a fait tournoyer. Pour sauter de l'autre côté, il va falloir être précis. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'il va falloir rentrer dans le truc. Voilà.
Oh, c'était naze. Oh, c'est pas grave. Ah mais oui, ça fait un moment que vous avez pas vu ces ennemis-là. C'est le verse 6 quand même. Médaille de platine. La lumière passe par les fissures, ce mur a l'air assez fragile pour être brisé. Oui, je me disais aussi. Ok. Ce tunnel vert a été créé par l'essence d'esprit et je distingue notre île flottante au loin. Non. Oui, là. Hop. Voilà. Oh là ! Oh merde. Je crois que ça c'est mon combo préféré, hein, on va pas se mentir. C'est bon. Verse 7 terminé. Médaille d'or. L'air de rien. Perle lune. Perle lunaire, pardon. Oh, nouvelle perle lunaire. Ça, c'est cool. Bon, du coup, je fais quoi, moi, avec tout ça? Oh putain. Ok. Donc là c'est de là que je viens. À moins qu'il y ait un chemin que j'ai pas vu de là-bas. Ah non, il y a ça. J'ai pas confiance en les statues de Klebs. Ah non, en fait, il y a des tentacules qui sont encore moins engageantes. Voilà, merci. Aïe. Je suis pas sûr hein, que ce soit évitable ça. Enfin qu'on puisse battre les tentacules en tout cas. Ah, vous savez que pile au moment où j'allais dire restez bien pétrifiés vous. Donc pas possible d'avoir du combo hein, avec ces créatures on dirait. Enfin du combo, pas du combo mais
Vous savez, les ralentis. Parce qu'en fait, on voit les moments où je... Il y a un mini ralenti, mais en fait, je peux pas en profiter. Donc oui, ici, je peux faire des combos, mais par contre, les esquives critiques, il n'y a pas. Là, RIP de ouf. Le combat va pas être évident. En fait, c'est ça. Hop. Aïe. Ah. Yes. Le petit coup de botte qui fait plaisir. Aïe aïe aïe. J'aimerais bien me concentrer sur le blanc, comme c'est lui que j'ai le plus amoché jusqu'ici. Comme ça, il n'y en aurait plus qu'un qui me tape. Ah putain. Oh là là. Qu'on me fasse pas comme l'autre fois, s'il vous plaît, où il a fallu en réaffronter deux derrière, quoi. C'est quoi déjà vers 8 ou 9, non? On devrait pas arriver très loin de la fin du chapitre en vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Bah elle est partie chercher un truc, c'est tout. Le cul qu'elle a cette sorcière, faire un truc pareil à une pauvre gamine sans défense. Si elle a osé toucher aux parents de cette petite fille, je jure que... Et donc du coup, elle, c'est Cereza. Et c'est sur elle, du coup, Bayonetta Origins. Allez, pleure pas, on va la retrouver bientôt, ta mère. Tiens, j'ai des bonbons. T'en veux? Alors, merci pour le GG, Ayupa. C'est quoi, c'est super bon? Je sais pas, moi, c'est des bonbons à la fraise, non? Hey, chaton, j'ai des super bonbons, t'en veux un? Il va coller ensuite ton doudou. C'est ton ami ce chat?
Oui, il s'appelle Chouchou. Ouais, on le voit ensuite dans la bande-annonce de Bayonetta Origins. Chouchou. Mais quel nom débile. Oh, ça va, le mien il s'appelait Chaton quand j'étais petit. Il va falloir trouver un autre plan. J'ai pas suivi ce qu'il a dit sinon. Je crois qu'on prendra pas l'autoroute finalement. Il ne me reste plus qu'à savoir ce que je vais faire de toi. Alors, Cerisita, c'est vraiment ta mère, cette femme ? Oui, oui. Ma maman, elle est très forte, elle me protège des méchants monstres. Des monstres ? T'as pas idée à quoi ils ressemblent vraiment, les monstres, ma petite. Oh. Ah putain. Ah, je me suis royalement planté. Cinquième mort, yes. Qu'est-ce que c'est? Ah. Hop. Alors. Non mais je vais tous me les prendre, c'est pas possible. Je jure que j'essaie de les éviter, putain. Oh putain, je suis une catastrophe. On va aller aux toilettes ici. Enfin, on va faire une pause pipi à cet endroit-là du jeu. Apporte-moi assez d'oreilles et je pourrais peut-être m'acheter un ticket vers le cosmos. J'ai toujours voulu être un astronaute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai combien de sous? 94, et bah pas grand-chose encore, puisque moi je veux des accessoires en fait. Du coup, bah rien pour l'instant, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est on va se laisser ici pendant le temps de la pause. Je reviens dans 2 minutes, le temps de prendre un peu de café, et puis remplir ma bouteille d'eau, et puis faire une pause pipi. Du coup, je vous dis à tout de suite, les enfants.
J'ai vu l'image se couper. J'espère que ça va aller. C'était pas volontaire, hein, l'image du jeu qui se coupe. Mais ça a duré une ou deux secondes. Bah ouais, ouais, j'ai vu ça. C'était en arrivant, quoi. Et ça m'avait fait la même chose sur la première. T'as peut-être touché un câble, bah je sais pas, mais même, enfin, le truc c'est que si jamais les embranchements de câbles sont assez fragiles pour que à peine tu passes à côté avec le souffle de ton passage, tu sais, ça se déconnecte. Bof quoi. J'ai eu du mal à trouver le mot bof. Oh là là. Parce que vraiment non, enfin. J'ai pas touché. Ah merde. J'ai pas touché de câble. C'est juste que oui, j'ai un câble qui passe par terre là. Ah, c'était trop chaud. Ah! Bah écoutez, ils sont pas très résistants ces ennemis. Bon, moi non plus. D'ailleurs. Mais oui, j'ai été mis à mal par les pics là. Oh là là, tous ces cheveux. Je garantis, hein, Yupa, tu vas baigner dans mes cheveux. Hein. C'est simple, pour voir, pour repérer les endroits où je suis passé, les endroits où je ne suis pas passé, tu regardes s'il y a mes cheveux, et c'est bon, et tu sais. Il n'y a pas eu de... Oh bah il n'y en a qu'un. À moins que je l'avais tout simplement pas vu. Ah, il n'y a pas eu de verse. Bien joué. Moi je veux le battre ce truc là. Oh. Par contre il est un peu beaucoup haut non? Ah, il est là. Mais c'est moi ou l'eau a le niveau de l'eau a monté quand même. T'es relou, mec. C'était très nul.
Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se régène, comment ça se passe? Oh, je sais pas ce que je lui ai fait, mais je l'ai fait. Hein. Mais oh! Il va casser les couilles encore! J'ai l'impression que ça, ça le trigger. C'est l'écran de fin de combat le moins classe du monde, hein. On va pas se mentir. C'est quoi ? Je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Oui ? C'est pour aller... Ah non, mais je viens peut-être de là en fait. Ouais, mais bof. Non. Non, mauvaise idée. Hop. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais... Je l'ai fait. Ah, c'est ça? Fin du chapitre 10. Moi je dis allez go pour le chapitre 11 en fait. Si vous voulez mon avis, là ça va, il y a toutes les chances que ce soit un grand boss. Merci pour le GG à Yupa. Bon. Cette fois on essaye. On est à 38. Oh. 89 points. Ça c'est beau.
C'est quoi? Allez, j'échange le reste. 4900, c'est pas énorme. Sauvegardons déjà. Vertu cardinale de justice. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra éventuellement faire les chapitres 12, 13, 14. En vrai, je trouve qu'on avance bien. Si là, c'est un grand boss, ce sera un chapitre court. Ouh, ce serait trop bien. J'ai vu que... J'ai regardé sur un long play, j'en étais à peu près à la moitié du jeu. J'ai pas doublé. Vas-y maman, tu l'es. Oui, du sang. Tu vois pas, maman se bat contre les méchants monstres pour nous. Hé, monsieur, si tu ouvres pas les yeux, tu vas tout manquer. Regarde, avec ça. Moi, je file au repos, à demain, je tiens au jus via Discord. Yes, ça y est pas. Ça marche. Bah, à demain, du coup. Enfin, à demain. Oui, si, à demain. Bisous et merci d'être passé. Ciao, ciao. Merde! Comme quoi on n'est pas si méchant que ça? Alors ça a pas l'air du tout d'être un grand boss. J'aurais pas dû faire ça sur lui. J'aurais tellement pas dû faire ça sur lui. Il est où? Il est là. Verse 1, fini. Putain! Toi-même? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cerecita, non, c'est trop dangereux! Finalement, on va peut-être l'avoir, le grand boss. Chouchou! Écoute, chouchou, voilà. À un moment, on va bien l'affronter, le monstre à tentacules, quand même.
Oh ouais, bah j'y allais. Dis-moi chaton, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Oh, il t'a fait mal, tu dis? Alors on va pas le laisser faire, hein. Bof. Il a... niqué un œil, quoi. Oui, on sait, on sait, on sait. You... Oui. Bon, bah, effectivement, on a l'air de l'avoir, le grand boss, ici. Bougez-moi, vos petites ailes. C'est dégueulasse. Voilà. Putain, j'ai du mal à... Ah, attends voir. Bien. Ah. Dommage. J'avais pas fait ce coup-là avant. Il est ignoble. Oh putain. Ok. Ok. Le chemin est tout tracé. Oh putain. Oh merde. Ok. Putain, ils ont quoi avec les visages qui fleurissent de partout dans ce jeu? Ah. Non. Mauvaise idée. Eh merde. Après, du moment qu'on réussit cette QTE, ça va, mais bon. Après, je suis pas bon hein, encore.
J'ai quand même perdu pas mal de vie. Oh. Ah. Ok. Ok, je l'ai. C'est juste une QTE, une esquive comme d'hab, voilà. Aïe. Bon. Je sais pas comment j'ai fait. Il me reste plus beaucoup de vie hein, par contre. Lui il reste encore le tiers de sa vie, moi pas du tout. Oh là. Oh là. Allez. Oh non. Ça va être chaud. Il faut pas que je me prenne le moindre coup. Ce qui a peu de chances d'arriver. Bon, là, on va y aller calmos. Ok. Oh putain. Oh je pensais tellement pas l'avoir. Oui. Non. Ça aurait été tellement dommage de se louper maintenant. J'ai envie de boire du café, mais on va se retenir pour l'instant parce que vaut mieux se tenir prêt à une éventuelle QTE. Qu'est-ce que c'est? Hop là, qu'est-ce que je disais? Après, je sais pas si ça a de l'importance, ça. Tu sais quoi, le chat?
Tu dis quoi, le chat, pardon? Il n'en a pas eu assez. T'es encore capable d'en prendre, pas vrai? La prophétie des sages de l'humaine disait vrai. Tes pouvoirs sont magnifiques. Les sages de l'humaine. Depuis longtemps, deux yeux observent notre monde et son histoire. Un œil clair et un œil obscur. C'est cette puissance qui permet au créateur de commencer un nouveau cycle de création. Bayonetta, que la grâce de Jubilus le créateur soit avec toi. Où sont passés mes nouveaux meilleurs amis dans tout ça? Je suppose que vu qu'il y a un adulte dans l'eau, ça devrait aller. Fin du chapitre. Yes. Yusitia. Franchement, ça a été bien. Statue en bronze. 8 minutes. Bon, c'est pas mal. Bon. Heureusement que j'ai eu mon truc, hein, moi. Mon cœur, je sais pas quoi là. Mmh. 45, impeccable. Oh merde. 65. Pas mal. Maintenant j'ai 140 000, je peux acheter une nouvelle compétence. Ah, on reste ici donc. Le ciel éclaté, chapitre 12. Bah écoutez, d'abord on va aller dans les Gates of Hell pour acheter notre nouvelle compétence. Et ensuite on va sauvegarder, on va se laisser là, je pense. Enfin, je pense, non, on va se laisser là. Mais c'est cool quand même, on a bien réussi à avancer là en 2 heures. C'était pas mal. En fait, bon, j'ai avancé d'autant de nombre de chapitres dans autant de temps par rapport au stream dernier, mais bon, le stream d'avant, on avait le passage sur le pont qui était quand même vachement court pour un chapitre. Je sais pas quoi prendre. Je sais que les trucs qu'ils me proposent là, je trouve pas ouf. Regarde désespoir. C'est pas sûr pendant la chasse ce soir. Rosaire maléfique. Lorsque son utilisateur est-ce qu'ils attaquent les grains lanceront une contre-attaque magique contre l'agresseur. Cette riposte est puissante, mais elle empêche celui qui la lance d'utiliser l'envoûtement. Ah, ça c'est pas tout. Pas ouf. De regagner de la santé en provoquant un ennemi. Ça en vrai c'est pas mal. Faut juste que je me souvienne comment est-ce qu'on provoque un ennemi. Je veux bien acheter ça. Allez, c'est go pour la sauvegarde. 9h41. Il nous reste combien? Il nous reste 5 chapitres à faire. 12, 13, 14, 15, 16, plus l'épilogue. Bon, l'épilogue, je me dis, ça doit sûrement être que de la cinématique. Donc, partons sur la base de 5 chapitres. Dont au moins un, je pense, 2 grands boss. En 5 chapitres, il y a le temps de se faire genre un grand boss et un boss de fin. Un chapitre spécifique, encore un grand boss et un chapitre spécifique boss de fin, je pense. Mais bon, on verra ça en temps voulu, je pense, de toute façon. Mais je pense qu'on va rester sur cette base de 3 chapitres par jour. Enfin, 3 chapitres
par trois chapitres par par jeudi découverte. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Non, attendez. Je vais reprendre parce que là, cette phrase n'avait pas de sens. Je vous invite, du coup, à rejoindre la chaîne si jamais vous voulez suivre le prochain jeu de découverte sur Bayonetta, donc avec la suite de Bayonetta, le suite de ma découverte, parce que bah, je connais pas du tout le jeu, hein, je rappelle. Oui, j'arrive. Je le fais en blind, hein, c'est la première fois que je joue au jeu, et je découvre tout. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux. De toute façon, mes réseaux sont sous la chaîne YouTube. Mes réseaux sont dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à passer. En attendant, vous pouvez liker, commenter et surtout partager la vidéo pour la faire connaître. Et soutenir la chaîne. Et venir me rejoindre sur Twitch. Où vous pourrez assister au live en direct sur Discord. Où on peut discuter un petit peu tous ensemble. Et voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous, on se retrouve, donc ça sera vendredi matin pour, vendredi matin, la semaine prochaine, pour la partie suivante de ce Let's Play, et en attendant, bah, gros bisous à vous, et à la prochaine, ciao!